La chirurgie des hernies de paroi fait partie des procédures les plus fréquentes en Suisse. Le docteur Claudio Soravia est chirurgien viscéral à la Clinique Générale Beaulieu. La définition d'une hernie de la paroi abdominale est un trou dans la paroi abdominale, raison pour laquelle il faut opérer ces patients et le plus souvent mettre des filets pour obturer le trou de la hernie. Comment se déroule l'opération ? Il s'agit le plus souvent d'une opération mini-invasive, soit par laparoscopie conventionnelle ou plus récemment par l'utilisation du robot Da Vinci. Qu'est-ce que va apporter justement ce robot Da Vinci ? Le robot Da Vinci nous permet d'opérer en 3D et surtout d'effectuer des opérations, par exemple pour des grandes hernies ou éventrations de la paroi abdominale qui nécessitent en chirurgie ouverte de grandes incisions et qui là peuvent être traitées par 3 petits trous avec mise en place de très grands filets pour la sécurité du patient et pour une excellente réparation de l'éventration ou de la hernie. Le chirurgien, lui, est donc se place derrière un écran et finalement c'est le robot qui agit. Alors le robot, il obéit au chirurgien heureusement et donc par cette vision en 3D, par cette sécurité dans la précision du geste, les risques opératoires sont évidemment très diminués par l'utilisation du robot. Le robot, vous l'utilisez depuis longtemps maintenant ? Nous avons le robot Da Vinci à la Clinique Générale Beaulieu depuis 2003. Nous étions les premiers à Genève et nous avons actuellement la dernière génération du robot qui est la plus performante pour les opérations évidemment de chirurgie viscérale, digestive, de gynécologie et aussi d'urologie bien sûr. Le docteur Claudio Soravia, chirurgien viscéral à la Clinique Générale Beaulieu.